raconter la trajectoire d'une jeune fille dans les années 60, donc qui grandit dans un environnement totalement différent de celui dans lequel vivent les ados d'aujourd'hui. Donc c'est la trajectoire d'une jeune fille qui finalement se met à se poser des questions sur, sur sa condition de fille, à une époque où, où les jeunes filles étaient quand même enfermées dans un carcan impressionnant. Et là, ça passe par le prisme de la course à pied. Elle découvre le plaisir qu'elle éprouve en fait à courir. Je sais que ça peut paraître quelque chose d'incompréhensible pour certains, mais enfin bref, il y a des gens qui adorent courir. Et elle se rend compte que c'est quelque chose qui ne se fait pas quand on est une jeune fille en fait. Et voilà, le point de départ, il est là. Et ça part de faits réels finalement. Hein. C'est vrai que dans les années 60, quand on était une fille, on ne courait pas. On nous disait que ça allait faire pousser la barbe, que ça allait faire tomber l'utérus. À une époque en plus où personne ne nous disait ce que c'était qu'un utérus. Hein. Donc voilà, une espèce de vision traumatique, un truc qui va s'échapper d'on ne sait où. Voilà, c'était le genre de discours qu'on pouvait avoir auprès des jeunes filles. S'interroger, c'est la remise en question, c'est pas croire tout ce qu'on nous dit. Parce que là, finalement, que font les autres jeunes filles à cette époque-là? Oui, ok, on nous dit que ça va nous faire pousser la barbe, donc on ne court pas. Parce qu'il n'y a aucun moyen de vérifier de toute façon. Il n'y avait pas Google, est-ce que courir va me faire pousser la barbe? Mais elle s'interroge. Elle se dit, est-ce que c'est vrai? Et au fond, quel serait le mal qu'il y aurait à courir? Et elle remet en question tout ça, elle se pose des questions. Alors bien sûr, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais je crois que c'est super important. Et ça, c'est vraiment transposable à notre époque. On voit bien tout ce qu'il y a sur Internet et qui parfois est pris pour argent comptant. On voit une vidéo, ah bah oui, c'est vrai. Non, il faut aussi exercer son esprit critique. Et ça, on le perd en fait, je trouve. Parce qu'on a tendance à résumer mai 68, ah voilà, les pavés, les manifestations à la Sorbonne, etc. Et en fait, ça concernait qu'une frange de Français. Et à l'époque, la France était encore une France rurale. Et je crois que la plupart des jeunes, ils étaient plutôt comme Catherine, dans une société où on n'avait pas forcément d'accès à la culture, à l'éducation. Il n'y avait pas de livres à la maison, là, chez la jeune fille. Elle n'avait pas l'habitude d'aller à la bibliothèque. Peut-être qu'il n'y en avait même pas dans le village où elle était. Et voilà, il n'y avait pas tout cet accès à l'information. Et je crois que c'est important de montrer aussi aux jeunes d'aujourd'hui à quel point cette société elle a changé et à quel point le fait que maintenant on ait accès à tout, ça a changé aussi notre manière de voir les choses. Pas forcément en bien d'ailleurs, pas forcément en mal, c'est pas la question, mais en tout cas c'était vraiment hyper différent. Et pour revenir à votre question, oui voilà, je voulais montrer que mai 68 c'était pas uniquement les pavés et les étudiants éduquer. Finalement, l'humour de Swann, enfin, tel que Swann le pratique, ça ne correspondait pas du tout à celui, au personnage de Catherine. Mais c'est aussi une époque très différente. Voilà, on voit tout au long du livre comment on était éduqué en 1960 et comment on l'est en 2018, ça n'a rien à voir. Donc cette éducation, elle façonne aussi la personnalité, cette différence d'éducation. Voilà.